ma présence à peine avant de distance 11 mètres. J'ai 7 élèves en station italienne, première Alfa Lima, 4, 2, 9. Départ de course, fréquence 5, 4, 0, 5, 4, 0, merci. CQX, appel 214, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, au département de la Gironde. Appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi en mobile sur le sud-ouest de France, au département de la Gironde. CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France. Aïe, aïe. Julie Romero, 252. On this is with Tommy. It's correct, my friend. Look to you.
operator told me your signal at the moment is not very good. At the moment, the QR Mexico on frequency, you're flying, but let the QR Mexico on the frequency, all right? CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi en Mobis, sud-ouest de France, département de la Gironde. CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi en Mobis, sur le sud-ouest de France. J'attaque un peu après le 15 août, certainement, ok? Ah, ok, avec le 100%. Ouais, ben nous, écoute, figure-toi aussi que les pêcheurs, là, mais les pros, hein, sortent pas grand-chose en ce moment. On peut dire qu'il y a des bateaux de partout. Il y a pas mal de plaisanciers, donc d'habitude, là, ils ont toujours un petit surplus de pêche et on achète carrément sur le quai. Mais là, ils fournissent carrément les restos, ce qui fait que bon, voilà. Mais écoute, ça me fait vraiment plaisir d'avoir de tes nouvelles et d'avoir de savoir que t'es là. Voilà, Gérard 149 083 Roger-6 pour les plages. Je retourne sur l'ami Stéphane, hein, notre ami le Breton, là, qu'on aime bien. Toi, Stéphane. Eh bien, je vois bien entendre leur QTH. Et ce sont 13 à tous de la part de 14 Delta Romeo 33, Dundee 33, la planète Sibi francophone. Pour remettre un petit peu les choses en ordre si c'est bien de là. Voilà. Mais
est très très content. Hein. Ce matin, je te disais, là, j'ai été surpris aussi parce que j'ai fait l'ami Julien, là, 104 AT 101. C'était du 5-3-5-5, là, et c'est vraiment rare. Hein, pour nous, là, tu sais, Sifour et l'île de beauté, c'est vraiment un coup de bol quand ça veut passer, quoi. Et puis ce soir, ben, écoute, j'ai fait la boucle, là, tu es là, c'est formidable. Voilà, Gérard, ben, écoute, je suis autour de micro et je vais tourner. Ben écoute, ça fait plaisir également parce que je viens juste d'allumer la station. Je viens juste seulement de descendre, je vais regarder un peu le sport sur la télé. Là. Et je suis juste descendu. Au moment où je me suis branché, j'ai entendu le QS direct de l'ami Stéphane. Comme je le connais bien, ben, j'ai voulu le saluer. Et je tombe sur toi également, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, bisous à la maison, Roger. Surtout, n'oublie pas. Et je vais retourner sur Stéphane pour le saluer également pour la dernière fois. Je vais me retirer sur la pointe des pieds. J'ai un petit truc à faire et après je vais revenir en station. Allez Stéphane, micro retour. Roger, bonnes amitiés. Et bientôt. Allez Stéphane, micro retour. Allez Stéphane. Apparemment, il est parti ou quoi? Mais non, c'est la propagation qui est tombée entre nous. Ah, ça arrive, l'été, c'est comme ça. C'est pas Stéphane qui est là. Apparemment, il a disparu. Allez, bisous, Roger, bisous à madame. Ouais, merci, Gérard. Bisous également, bisous autour de toi, et puis je te dis à une prochaine, et j'irai voir un petit peu, là, pour ce qui est du courrier électronique, parce que je suis désolé, là, si tu m'envoies des messages et que je les reçois pas, ça me gêne un peu. 73, bisous, à bientôt, GG. C'était surtout sur Skype, je pense. Alors, si tu dis maintenant, tu les as pas eu. Mais tu dois avoir ça en derrière, tu vas trouver ça. Allez, bisous, Roger, la plus, bonne soirée. À bientôt. Oui, le Maroc, attends, Hassan, c'est toi? Hassan, va sur l'habituel, s'il te plaît, ok? Allez, Hassan, on va là-bas. Allez, merci. On y va. Alpha 016, séparation 1, 4, 8, 5.
CQ2X, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile au sud-ouest France, département de la Gironde, secteur Libourne, qui vous propose un QSY sur le 27545. 27545, c'est parti pour moi. CQ2X, appel de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest France, secteur Libourne. Attention, le sud-ouest France, est-ce que vous avez copié du département 04, le sud-est? Oui, affirmatif, le département 04, le 73-51 à vous, les 73 aussi, la station que j'ai entendu très très QRP dans le lointain, de la part de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi. En mobile actuellement sur la rocade de Libourne, en direction de Bordeaux. Oui, les 73 département 04, les renouvelés 73 département 04, le nord-est France, les 73-51 également, la Normandie, les 73-51 également, de la part de 14, Romeo 33, opérateur Rémi en mobile sur la rocade de Libourne en direction de Bordeaux. Visiblement, tout le monde n'a pas l'air de s'entendre, ça va être assez comique là, le petit QSO. Oui, 100% QSL, les 23-51 à vous de la part de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile, là sur le secteur de Libourne, en direction de Bordeaux. De cacophonie. Oui, enregistrer les breaks, il y a plein de breaks là derrière là qui essaient de passer. Les 73-51 tous de la part de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, Dundee 33 au mobile sur la rocade de Libourne en direction de Bordeaux. La ville d'Evreux, ouais, je comprends bien les difficultés là de votre côté. Je suis au maximum là de mon côté là de ce que je peux faire. Donc je peux pas faire plus. Hachi, les conditions de trafic là de mon côté là dans le mobile, c'est un CRT 7009 avec une antenne Wilson 5000. Voilà pour les conditions de trafic. Et le micro, ben, c'est le micro d'origine. Le retour à la ville d'Evreux. Oui, 100% QSL, merci pour ce petit contact, les 73-51 retournés de la part de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, Dundee 33 sur la Gironde. Merci pour ce petit contact, oui, en avant les breaks. Est-ce que je vais avoir le retour? J'ai mis le billet. Félicitations d'avoir fait que...
13 100% QSL de Nord-Ouest France. Et bien sur 13 51 à vous, il n'y a pas de problème, c'est très QRP de mon côté. Il y a surtout énormément de monde en fréquence. Voilà, là je suis en train de prendre un petit peu d'altitude. Voilà, je suis en train de passer sur un pont pour attraper après la voie rapide, la nationale 89 là, en direction de Bordeaux. Retour de Nord-Ouest France. Oui, je suis en train de perdre. Ok, je pense que vous avez relâché le micro. Ça a été très compliqué là sur la fin. Là, dès que je suis arrivé là sur la voie rapide, là sur la nationale 89, là entre Libourne et Bordeaux, là c'est complètement parti en sucette, à chi. Et j'ai eu QSL là pour faire le QSP là vers l'OM de Bordeaux. Il n'y a pas de problème. Je lui retransmettrai dès que je l'aurai en fréquence. Ok, là, propague au direct à la tournée. Peut-être là, je vais retenter à nouveau un coup là de votre côté pour voir si c'est à nouveau bon. Retour vers vous, le nord-est, le nord-ouest de France. Il y a de la moustache, il y a de la moustache, il y a de la moustache. Hachi. Ok, les stations fréquence en avant. Puisqu'apparemment, bon, là, du côté du nord-ouest de France, là, c'est tombé. Ok, bon, ben, c'est pas grave, j'ai retourné sur le 555. S'il y a du monde derrière, là, en stand-by, et ce sera 13-51, voilà, et bon QSO, bon contact. Profitez bien de la propague et du soleil. Tiens, pour le soleil, chez moi, c'est du 40 degrés en ce moment. Ça va, petite température, hachis trois coups. Attention Thierry, Eric, 73-51 à toi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, département de la Gironde, et qui vous propose un QSI back sur le 27545. 27545, c'est parti pour moi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France. Waouh, je te cacophonie.
Là, il y a eu des cacophonies à fond, là, c'est arrivé de tous les côtés. J'ai rien compris là du coup dans mon côté, dans les couches. Le 73 renouvelé, les stations de la part de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile entre Libourne et Bordeaux. Ok, département 04, ouais, je crois que c'est vous que j'ai eu tout à l'heure, et du coup je vous avais complètement perdu. Ok, c'est génial, ben, ça passe bien là de mon côté, c'est une bonne hauteur de 5, je suis en train de rouler, donc pour le signal c'est un petit peu compliqué. Ok, pour ça, en tout cas, j'ai des Donc les conditions de trafic, je répète la barre de mon indicatif, 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, Dundee 33 en mobile sur le sud-ouest de France, voilà, sur la nationale 89 entre Libourne et Bordeaux. Et pour les conditions de trafic, c'est un CRT 7009 dans le mobile, avec comme antenne une ville 5000. Ok, par contre là je vais tomber là dans une cuvette. Là ça risque d'un seul coup de passer beaucoup moins fort je pense. Bon, j'ai fermé là toutes les fenêtres là, pour essayer de pouvoir vous sortir au mieux là. Et on crève de chaud ici, il y a 40 degrés, mais tant pis, j'ai quand même fermé les fenêtres là pour mieux vous sortir. Dakota 04, ah bah tu m'étonnes que je te connais, Hachi, le 73 renouvelé, il n'y a pas de problème, je suis actuellement en train de faire une petite vidéo là justement, là j'ai 40 degrés là dans le push, je crève de chaud, c'est hallucinant, gars. Ah non je peux plus là, je rouvre, ah non, faut que je prenne l'air, faut que je respire. Là. Ouais, je sais pas, attends, excuse-moi, là c'était un petit peu bref, et puis en plus de ça, là je vais monter le volume un peu plus, parce que là c'est vrai que c'est pas évident, j'espère que de ton côté il fait pas aussi chaud qu'ici quand même. Oh putain, j'ai compris, 42-43 degrés, après le reste j'ai pas compris, là je suis actuellement en train de faire une petite vidéo, et je suis là sur la route du Bourbon jusqu'à demain matin, quelle heure demain matin, à quelle heure je termine demain matin, à 7h je termine demain matin, et après vendredi soir je m'en vais du côté de la Dordogne, du côté du nord de la Dordogne par là-bas. Ça, c'est le mot de la fin qui n'arrive pas à passer là dans mes oreilles. C'est la climatisation. Oh putain, j'hallucine. J'entends tout le reste, mais c'est le mot de la fin qui passe pas. Putain, il faudra que je réécoute sur la vidéo pour voir si on entend mieux. Quoi. La modulation est un petit peu criarde en même temps, tellement que ça passe fort de mon côté. Quoi. Ok, j'ai baissé un peu le volume par la même occasion. Non, ce qui m'a permis d'avoir le push un petit peu moins cher déjà. Oh, ça fait radin quand on dit ça. Non, j'hallucine, c'est des conneries. J'ai acheté le véhicule blanc parce que moi je suis pas très clim. C'est dès que tu sors du push, tu te prends une douche de chaleur et surtout avec des températures comme celle-ci. Quoi. Non, pas du tout. Ah ben là, de mon côté, moi, c'est pareil. Hein. J'ai la boîte de miroir Hachi qui est en route. Et bon, elle a son petit ventilateur à l'intérieur qui aspire tout l'air chaud là, qui est dedans. Quoi. Ok, bah disons que. Putain, je crève de chaud. Disons que. Je me suis dit
que j'ai rouvert en grand, tant pis, c'est pas grave si ça fait du bruit. Je me suis dit que de toute façon, le radiateur, lui, bon, il fait déjà son boulot. Autant extraire toute la chaleur accumulée à l'intérieur, ça lui sera peut-être plus profitable. Et jusqu'à maintenant, bon, je m'en sors pas trop mal de ce côté-là. Bon, maintenant, je travaille qu'à 50% en entrée. Sur 6 positions, je ne vais pas au-delà de la position 4, ce qui me ramène à peu près au niveau rayonnement, à ce que fait une station fixe, en gros. Quoi. Je ne veux pas plus. Plus, ça ne m'intéresse pas, parce que si c'est pour se faire entendre et qu'on n'arrive pas à entendre les autres, c'est pas la peine. En tout cas, toute la journée, là, depuis la fin de matinée, j'écoutais là tout à l'heure dans l'île de la Réunion, n'importe quoi, l'île de Beauté. Depuis ce matin, là, ça a l'air de bien passer de tous les côtés, là, c'est génial. Alors toi, c'est là où ça me fait sourire quand je vois sur certaines régions, ils n'ont pas trop de propagues. Bon, c'est un petit peu sadique hein, ce que je dis là, en disant ça, que ça me fait un petit peu sourire. Mais c'est vrai que là, on a du mal à comprendre, à imaginer, voilà, c'est plutôt ça, comment, avec la propague que nous avons, comment ailleurs ils peuvent ne pas avoir de propague. C'est les aléas des ondes, hein, évidemment, hein, c'est les aléas de la propague qui décide tout ça, ok, c'est sûr. Mais quand on voit comment ça passe, on a du mal à imaginer comment ça ne peut ne pas passer ailleurs. J'arrive là sur la rocade de Bordeaux, là. Hop là, j'étais un petit peu perdu. En plus de ça, là, je vais avoir là, pas mal de QRM. Pour ça, je garde un petit peu le micro. Là, entre les stations totales, là, sur la rocade de Bordeaux, la rive droite. Ok, voilà, je suis en train de aider passer. Ouais, ça devrait mieux passer à nouveau. Hein. Alors, je suis à la hauteur, sur la rocade de Bordeaux, à la hauteur de Lormont, pour prendre la direction du pont d'Aquitaine. Alors, sur le pont, ça va passer plein pot, là. Ok, on dirait que là, c'est un petit peu tombé, là, pour le moment. Bon, je vais rester, là, sur la fréquence, le temps d'eau, si tu arrives à m'entendre, jusqu'à temps que je sois sur le pont d'Aquitaine. Ok, ben en attendant que Dakota 04 revienne, réapparaisse avec la propague. Ouais, le siffleur à vous. Voilà, là j'arrive sur la bretelle d'accès là, qui va de la rocade de rive droite vers le pont d'Aquitaine. Voilà, en avant le siffleur, les bonnes 73-51 de la part de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, Dandy 33 en mobile sur la rocade de Bordeaux. Ok, bon, c'est pas grave. Attention, Dakota 04, t'es de retour. Bon, je reste là pour le moment, il n'y a pas de problème. Si tu m'entends, Dakota 04, si tu m'entends, oui, je me répète, je bafouille, je radote, hachi. J'attends d'être sur le pont d'Aquitaine, là, pour voir un petit peu là, comment ça va passer, là. On a l'impression que la porte là c'est d'un seul coup fermée. Et si c'est le cas, c'est pas grave. Là j'arrive, je suis à 300 mètres de la sortie 3, là, en direction là, qui est de la sortie 3, toujours en direction du pont d'Aquitaine. Attention Dakota 04, attention Dakota 04, pour Dandy 33 qui t'appelle. Je vais pas tarder à arriver là sur le pont d'Aquitaine. Là je suis dans le dernier virage, si tu m'entends, là je suis dans le dernier virage là avant d'attaquer le pont. Là.
Bon voilà, je suis dans la montée là du pont d'Aquitaine. Voilà, ça monte. Voilà, j'arrive sur le tablier du pont d'Aquitaine, là je suis. Attention Dakota 04, contact 33, 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, qui te lance appel depuis le sommet du pont d'Aquitaine. Oui, le siffleur, avec les bateaux 113 en avant. Ouais, bon bah c'est pas grave. CQO DX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi. En Mobis, Sud-Ouest France, le pont d'Aquitaine, qui me propose un QSY sur le 27545. 27545, c'est parti pour moi. CQO DX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi. En Mobis, Sud-Ouest France, dans la descente du pont d'Aquitaine. Eh bien, on dirait que ça redait, que c'est retombé d'un seul coup. Ah, j'ai entendu quelqu'un derrière, c'est très cuir, près de mon côté, les 73-51 à la station, de la part de 14, Delta Romeo 33, opérateur Romy, pratiquement rendu au bas du pont d'Aquitaine, là, à Bordeaux. Attention, Denis, pour 14 à Marois, où est-ce que tu me retournes? Ok, les 73-51 de la part de Rémi, Romeo, Echo, Mike, Yankee, Rémi. Voilà, je suis en bas du pont d'Aquitaine pour attraper la direction de Bordelac, parc des expositions de ce côté-là. Rémi pour 14 à Bravo. Ah, je te reconnais, il n'y a pas de problème. Les 73 à toi de la part de Dandy 33. Mais ça va et toi? Putain, c'est complètement bouché en direction de Mérignac. Heureusement que je me suis échappé là pour prendre la direction là de. Je m'en vais sur Blanquefort ce soir. Mais t'en as de la chance, t'es dans les embouteillages alors. Ben, tu vois, ça y est, mon poste repart. Enfin, mon poste fonctionne. Ça y est, j'ai reçu mon poste et ça marche. Et ton moment est monté. Et oui, crois-tu que j'aurais réagi au début là en te reconnaissant quoi. Alors, t'as toujours pas compris ce qui s'est passé? Ah ben honnêtement, absolument pas, j'ai rien, tu vois, je module là, je suis à moitié puissance, j'ai à peine l'aiguille 1,2 de tonnes, là tu n'as pas bougé, en puissance, oui, je suis à 20 watts, 15-21 watts en modulation, et là le nouveau poste, c'est pareil, et bien, je l'ai branché, il fonctionne, et l'autre, j'ai pas compris, il a fumé. Ok, voilà, j'ai attendu un petit peu avant de reprendre. Il y avait du QRM22 là, à proximité. Ah, chi. Voilà. Ok, ben c'est curieux. C'est bizarre quand même. Hein. Ouais, pour chercher à comprendre. Bon, mais je vais attendre la réparation, je vais attendre le devis de l'autre, on va bien voir. Hein. T'as pu récupérer le programme alors pour la version 3? Alors, oui, au fait, là, je suis en train de faire une petite vidéo. Hein. Si ça te dérange, je couperai, il n'y a pas de problème. Oui, alors, je suis passé sur un live Linux. Qui est juste placé comme ça sur une partition là du disque dur, et de là j'ai pu aller là sur le lien, le récupérer, j'ai mis ça sur une clé USB, je suis repassé sous oui, j'ai mis ça sur une clé USB, les fichiers texte, je l'ai mis, j'ai fait un copier-coller là sur ton sujet, voilà, là où il y a les explications et tout. Idem pour le PDF, voilà, que j'ai chargé sur un site internet et mis le lien avec. Voilà, et le programme, bah, je le garde de mon côté. Voilà, mais il est bien pratique parce que la version 2 n'est pas compatible, la version 2 du programme que j'avais n'est pas compatible avec le poste. Ok, donc toi, c'est la version 3 vers la version 4. Le TX c'est version 4 et le programme version 3 qui est compatible version 4 pour le TX. Ok, voilà. J'ai fait un petit break là, le temps de relancer la vidéo. Ok, dis donc, il y a du papa 22 partout là dans le secteur du lac. Pardon, j'ai pas compris, je passe bien. Oui, ça marche bien, il y a du papa 22 partout là sur le secteur de Bordelac. Ah ok, d'accord, ouais.
Bon, mais ça, de toute façon, c'est l'heure de la débauche, il aurait pas tout partout, il ne va pas tarder à aller à l'apéro maintenant. Et il n'y aurait pas une connerie des fois ce soir, Achille, je dis une connerie, c'est entre guillemets, ce soir au stade? Je sais pas du tout, je m'y intéresse pas. Mais moi non plus, quoi. C'est pour ça que le mot connerie est sorti machinalement. Parce que là, c'est tout le secteur là, qui est quadrillé. Quoi. Ouais, bon, pour demain matin, ça devrait aller, car je suis au pouce qu'à 7h demain matin. Tu vas où là? Où c'est? À quel côté tu es encore du pro là? Alors ce soir, je vais sur Blanquefort, quelque part dans la zone de Blanquefort. Et demain soir, et bien une fois de plus, putain ça me fait chier ça, une fois de plus demain soir, je suis baisé pour le QSO national du canal 27, car je serai sur la Roche Chalet, qui est au nord, qui est vers le nord-ouest du département 24. Je connais la Roche Chalet. Ah ouais, tu vois, ouais, ben là, oui, voiture, ça peut pas être bien passé, quoi. Ah ben là-bas, c'est même pas la peine. Et puis, vu la configuration du site et tout, c'est pas possible que je puisse venir dans la voiture pour faire quelque chose. C'est, y a trop de trucs qui m'empêchent de pouvoir faire quoi que ce soit là-bas. Et là, t'es où, là? Parce que là, tu m'arrives vraiment avec une très très bonne radio. Tu m'arrives comme si tu étais à côté. Eh bien, j'arrive au rond-point qui est au bout du stade. Du n'importe quoi, du parc des expositions pour avec le bois de Bordeaux, voilà exactement. Là où il y a de la faune la nuit, à chier trois coups, pour attraper direction la zone industrielle de Blanquefort. Là t'as une très très bonne radio, j'ai quelques petits QRM, mais bon ça c'est mon secteur. Mais tu m'arrives à très très bonne radio, un signal de 5, 6, voire 7 par moment. Ah ben pour le signal, ouais, c'est normal. Pour la radio, ben ok, il ne faut plus du tout que je touche au réglage. Ça se sent peut-être pas ou juste à peine, mais derrière tu dois avoir un léger effet d'écho. Voilà, juste à peine, juste quoi relever la modulation. Et ouais, t'es le troisième à me dire ça. Faut plus que je touche à quoi que ce soit là, hachis. C'est vraiment impeccable, non, ça passe très très bien. Par contre, non, j'ai pas du tout d'écho. Si elle a même, je l'entends pas. Non, j'ai pratiquement pas d'écho. Putain, je viens de croiser une vieille Simca. Alors, si je fais ça, oh, là, t'as dû entendre quelque chose. Ouais, ça a changé, ouais. Voilà, là, t'as entendu quelque chose. Là. C'est parfait. Mais quand j'ai fait oh, voilà, là, derrière, t'as dû entendre un léger petit effet d'écho, non? C'est vraiment léger de mon côté l'écho. Ouais, voilà, je veux pas plus. C'est juste de quoi donner du confort à la modulation et j'en veux pas plus. Ah, ok, d'accord. Et tu seras connecté ce soir, tu seras chez toi. On est jeudi là. Là non. Je vois déjà là, cette vidéo là à travailler. Autrement non, et puis j'ai pas mal de trucs là du côté internet. Tiens, il y a un nouveau poste civil là, qui vient de sortir là, chez Président. Je l'ai partagé partout. C'est le nouveau président McKinley. C'est un multimode avec haut-parleur en façade, micro en façade, et il a tous les bons filtres qu'on a là, sur nos postes dont on se sert là, en ce moment. Il est vraiment sympa quoi. Alors, bon, je vais juste changer le mien. Je vais changer maintenant. Ok. Après, j'ai pas gratté plus loin. Est-ce qu'il a le décalage en fréquence pour aller sous les zéros? Là, j'ai pas approfondi. Et autrement, t'as tout le kilomètre de détails directement sur le site de Président Électronique France. Dans la rubrique CB, poste CB multimode. Ouais, je vais regarder, t'as mis ça sur le code, c'est le code, c'est le quoi? Attends, c'est le quoi il s'appelle? Ouais, tu l'as sur le forum, il n'y a pas de problème. Le président, c'est Mac Inley en deux mots. Voilà, tu l'as de suite là sur le forum. Essayer de trouver, parce que là pour le moment je trouve rien, sur Google je trouve pas.
Bah, te fais pas chier, tu vas directement sur le forum post-Sibir récent, évidemment, rubrique président et toute la liste, et là tu as, tu vas de suite trouver le président McKinley. Tout à l'heure, tu vas essayer de contacter Philippe, hein, ce soir, pour se faire un petit cuisson autour des deux, là. Parce qu'on va lui d'un côté de moi, donc pour faire des essais avec son poste qui finit ça aussi très bas et très bon de très haut. Ok, ouais, tu lui enverras les bonnes 13-51 à lui, et puis bon, ben, c'est bien dommage que le dernier coup, il y a eu un couac. Dès qu'il faisait QSY du 555, je le perdais. Alors là, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Hein. De mon côté, j'entendais d'autres stations, ceci, cela, donc il n'y a pas de souci, ça ne venait pas de mon côté. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Quoi. Dès qu'il sortit du 555, c'était baisé. Quoi. Ah, ben je vais essayer ce soir avec lui, on va voir, il y a peut-être. J'espère que c'est pas du tout le problème, là. Ben, je sais pas, je pense qu'il a dû moduler depuis, hein, quand même. Ah, je sais pas, il m'a envoyé un texto dans la semaine pour voir si j'avais récupéré mon poste, si j'avais trouvé un poste. Et j'ai pas de nouvelles depuis. Ok, d'accord. Et ouais, pour le poste que je te disais, là, le président McKinley, c'est vrai que pas mal de gens, je voyais dans les messages, disaient c'est dommage qu'il n'y ait pas ceci, qu'il n'y ait pas cela, ainsi de suite. Là, pour une fois qu'il y a un nouveau multimode avec en plus haut-parleur en façade, ça c'est plutôt rare. Hein. Je pense qu'il devrait bien fonctionner celui-là. Hein. Il devrait bien se vendre. Ah, ça y est, je l'ai trouvé, ouais, je suis sur le site de président directement. Ah, il a pas l'air mal, ouais, enfin, bon, il est prévu que pour le 40 canon, quoi, donc est-ce qu'il a pris les modifiables ? Attends, ça, c'est ce qu'il montre là. Après, il faudra gratter les différents sites à droite, à gauche, quand il se fera un peu plus connaître, pour voir un petit peu les possibilités. De toute façon, hey, ils sont vraiment rares, surtout un multimode. Trouve-moi un multimode qui n'est pas débridable. Je me doute, ouais, je me doute. Ah, mais c'est vrai qu'il est joli, ouais, il est joli, il est sympa, ouais. Bel écran, il a la fréquence, les canaux, tout en façade, comme ça, et le micro, comme tu dis, si le parleur est en plus devant, il fait 12-24 volts, ouais, c'est sympa comme appareil. Oui, voilà, c'est vraiment... Je fais peut-être de la pub pour ce poste, mais il est vraiment la solution pour ceux qui sont en camion, pour tout ça, quoi. Voilà, 12-24 volts, oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Prise micro en façade, donc pas besoin de le laisser sorti là, pour ceux qui le mettent dans la console. Haut-parleur en façade, donc pas besoin de magouiller là aussi. Il a vraiment tout pour plaire. Il a une bonne fonction aussi, qui est la fonction Vox, qui est la fonction main libre. Ça, c'est bon pour les voitures, pour ceux qui les ont en voiture ou en camion. Ok, bah tu vois, là, j'avais pas fait gaffe, là. Et bah oui, ouais, c'est vraiment génial. C'est, ouais, moi, je suis persuadé que ce poste, il va fonctionner. Hein. Alors, pour une fois qu'il y a une nouveauté, une bonne nouveauté de ce côté-là, je dis pas que les autres multimodes, comme on a, c'est la gnognotte, loin de là, mais on n'est pas dans la même gamme. Nos postes 7009, 6009, 9009, c'est avant tout des postes radioamateurs vendus aux civistes, donc débridés pour la CB. Là, pour le coup, c'est un vrai poste CB. Je me doute qu'il est débridable, hein, évidemment. Mais avant tout, ça reste quand même un poste CB. Et c'est là où il est d'autant plus intéressant, quoi, pour ceux qui roulent, qui ont besoin de montrer les papiers du poste, ceci, cela, quoi. Parce que les nôtres là sont pas reconnus comme poste CB, quoi, ce sont des reconnus comme poste radioamateur. Ben évidemment, oui, c'est ça, oui. Et c'est vrai que moi, la facture du poste que j'ai dans la voiture, eh ben, elle reste rangée dans un tiroir au QR1 à Chitroico. Ok, j'ai même pas regardé ce qui est marqué sur la facture, tu vois, j'ai vite déballé le colis tout à l'heure, là, quand ma femme a dit qu'il était arrivé, et que je suis rentré cet après-midi, moi. Donc, et là, je l'ai vite installé, j'ai tout remis le Roger Bip comme j'avais sur l'autre. Donc là, je dois avoir un petit bip léger derrière, il doit pas être très méchant, c'est ça ? Eh bien, même pas. Même pas, ouais, je suis arrêté là, pas loin du site. Là, je suis le long là, des étangs, là, qu'il y a, le long là, des. Oh zut, de la zone industrielle. Non, t'as aucun bip. Eh bien, il sait se faire discret, Hachi. Il est plus que discret, alors déjà aller voir sur le SDR, voir s'il est, quoi.
Ouais, ouais, vas-y. Ah, j'ai entendu quelqu'un derrière. Oui, la station pour Coconi de lundi. Ah, chi trois coups. Comme quoi, malgré que ce soit petit, très QRP de mon côté, ça réussit à passer quand même. Les 73-51, oui, affirmatif de la part de Dundee 33, 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi. En mobile sur le nord de Bordeaux, c'est-à-dire Blanquefort. Oui, ben voilà, retour de micro. Alors j'ai entendu opérateur, le prénom n'est pas passé. Bonjour Rémi, c'est passé. Je suis en train de faire une petite vidéo, donc ça sera génial de revoir ça un petit peu là après sur internet. La vidéo risque d'être longue parce que je crois qu'il y a des parties. Les blancs, on va faire que je les coupe. Hachi, sinon je me retrouve avec 3 km de vidéo. Je vais faire un retour de micro sur Angèle, car là il doit faire des petits tests avec le web SDR. Retour Angèle. J'ai mal dû le programmer. Ah, sympa les coups derrière. Mais ouais, certainement, oui. Ok Rémi, bon écoute, je vais pas déranger plus longtemps, je vais continuer parce que moi j'ai pas mal de trucs à faire, j'ai juste branché le poste. Mais écoute, je serai sur le 1555 ce soir si t'as l'occasion, peut-être que je recontactera, sinon, eh bien, bon pro et à bientôt. Alors pour ce soir, non, là je pense pas que je vais pouvoir. Là je doute, là je vais avoir déjà cette vidéo à travailler car j'aime pas laisser traîner comme ça en longueur. Si je peux la mettre en ligne le jour même, j'en suis d'autant plus content. Mais vu la longueur qu'elle va faire là, ouais, va falloir que je coupe un petit peu à droite à gauche dessus pour la raccourcir. Il y a une station dans le lointain derrière. Alors je vais te repasser le micro Angèle pour voir si tu l'entends. En avant la station. Oui, vas-y Angèle, pour voir si tu arrives à entendre la station qui est derrière. Bah, négatif, c'est négatif pour moi de mon côté. QTH le bas de selon, j'ai pas de radio, pas de signal. Donc 73 à toi, de 14 à Fabre, je sais pas si tu m'entends. Ok, retour la station qui est arrivée dans le QSO. Je sais pas si, je suis pas sûr si ça a parlé derrière. J'ai l'impression que la propague a dû retomber là. Bon, ok, ben c'est pas grave. Je vais passer en QRT, laisser refroidir un petit peu la machinerie. Ah, je suis trois coups. Et très content de t'avoir eu en fréquence, Angèle. Et puis les 73 à Philippe là pour ce soir. Et à très bientôt sur les ondes. Demain matin, je débauche à 7h. Je sais pas où je serai, peut-être plus bas en fréquence. Oh oui, je serai du côté du 19 par là, car le matin j'attrape la Belette. Voilà, entre autres, parmi les autres stations là qu'il y a. Les 73 Angèle, merci pour ce QSO. Ok Rémi, bon courage à toi, à bientôt. Oh. Attends, ouais, ok, merci Angèle, les 73. Oui, mais il m'a semblé entendre quelque chose derrière. Ah ouais, c'est du sporadique. Voilà, bon, ben c'est pas grave, dommage. Donc les 73-51, l'ensemble des stations là qu'il y a derrière. Et à la prochaine sur les ondes. Merci beaucoup d'avoir essayé de nous appeler, mais quand la propague décide le contraire, eh bien c'est toujours les femmes qui commandent, hein, j'ai remarqué ça. Ouais. H3CO, ça, les trois coups, ça c'était le mot de la fin. Merci, à plus. Du coup, je remets la vidéo un petit peu en route comme ça, parce que là, ça arrive vraiment de tous les côtés. Hein. Seven five, listening. 2 7 5 7 5.
Bonjour. Bye 14. Ok, your call sign, your name. 14, Sierra 19, 01, séparation, Delta 34, l'opérateur Olivier à l'écoute QRZ. Ok, Delta
Good evening, everyone. Hola, hola, sur de España, 3-0, Romeo Charlie. Good morning.